Salut, salut, c'est Biloulette. Bon, bah écoutez, je vous remmène hein, dans Portal. On va se faire la seconde salle. Et bah écoutez, je dois dire que j'aime bien ce jeu en fait, avec le recul. Hein. Déjà, j'aime bien l'humour qu'il y a avec les petits robots. Bon, graphiquement, il est juste énorme. Hein, la qualité est vraiment superbe. Et puis, bon, une fois que qu'on commence à avoir compris le fonctionnement, Le ça va saviez-vous? mieux. Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Ok. Alors. Un petit cœur. Mais j'ai déjà vu ça. Ah ben oui, il y a Bill de café, une image comme ça qu'il avait sur son profil. Je crois que vous devez connaître. C'est les cubes qu'il y avait dans Portal 1, il me semble. Avec le petit cœur. Mais bon, je dis peut-être une grosse connerie. Alors. Donc toi, je suis censé te faire descendre, je suppose. Alors, où est-ce que je peux atterrir? Est-ce que je peux atterrir là-bas? Non. Là-bas, pourtant, je devrais pouvoir normalement. Non. Bon. Donc je ne peux pas. Il n'y a pas de. Oh. Il n'y a pas de mur blanc pour tirer un portail en haut. Donc. Est-ce que si je mets ce cube. Oh, Hein? l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Oh. Désolé. Retournez en prendre un autre. Oh bah quel bourrique, il était joli celui avec le petit cœur. Ah bah c'en est un autre. Est-ce que. Oh, Oh! zut, je l'ai détruit aussi. Eh mais Ah elle arrête voilà, là! nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Vous m'en débarrassez. Alors est-ce que ça. Voilà. Alors. Oh! Nono! Le petit robot, il est où? Comment je fais pour te récupérer, toi? Parce que je vais avoir besoin de toi pour là-haut. Tous les coups. Et puis en fait, il faut que j'arrête le laser pour pouvoir grimper. Or. Ah bah oui, je peux le faire tomber. Elle était où la plateforme exactement? C'est ça, elle est là. Je vais le faire tomber dans un trou. Non, bon d'accord. Oh, c'était pourtant. Ouais, bah ça. Comment vous dire? Qu'on va le mettre ailleurs, la sortie. Voilà, il va sortir là. Hein? Voilà. Bon, par contre, j'espère que j'ai pas besoin d'un cube là-haut. C'est quoi ça? Comment est-ce que je peux atterrir là-bas, moi? Donc, faut bien que j'ai un cube pour le poser là. La sortie est là-haut. Ok, donc, bon, par contre, ça veut dire que je vais me faire une entrée ici. Et que je vais essayer de redescendre et de remonter par l'entrée que je me suis créée. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux sauter?
Ouais. Hop. Et hop, donc j'y suis avec mon cube. Ok, alors ensuite, faut que j'arrive à grimper là-haut. Qu'est-ce que j'ai qui peut me faire un portail? Est-ce qu'il y a un système peut-être? C'est quoi ça? Rien de spécial, toi là. Ok, bon, il y a toi aussi. Non. Est-ce que je pourrais pas, tiens, rediriger le laser autrement avec... Ah ouais, mais si je bouge les portails, je vais pas pouvoir remonter. Ben, saute. Donc lui, quand il est là, alors est-ce que je te fais redescendre? Faut que j'aille chercher mon cube en fait, parce que si je fais une connerie, faut que je puisse le replacer. Viens là, toi. Bon, alors je sais qu'il doit y avoir plus simple encore, hein, certainement. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Là, ça ne fait rien par rapport au laser. Là non plus. Bah non, hein, je vois pas comment je pourrais rediriger le laser là-haut. Parce que toi, tu l'arrêtes. Ok. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, il n'y a rien que je puisse glaner comme un fou. Bon. On va remonter, de toute façon. Ça doit être là-bas que ça se passe. Ok. On va chercher notre cube. Bon ben on va sauter hein. Ok, bon. Donc ça c'est bon, j'ai mon cube et j'ai plus qu'à trouver. Est-ce que je peux pas le poser de là, tiens? Non moins. Merde. Merde. Voilà. Alors, bon, il faut que je sois intelligente, enfin que j'essaye en tous les cas. Que je réfléchisse, que je réfléchisse, que je réfléchisse. Ça aurait été bien là le truc qui nous permet de sauter.
Alors, est-ce que je ne peux pas faire un truc rapide qui me ferait tomber vite, je sais pas quoi, non. Purée, pourquoi il n'y a pas de truc blanc? Ça aurait été tellement simple. Non. Aïe. Bah écoutez, là, je dois dire que je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. Bon, une chose est sûre, c'est que je peux pas poser. Hein, y a aucun endroit blanc où je peux poser un portail. Je suis sûre que le plat, là, il est blanc et que je pourrais, mais il faudrait que je puisse grimper d'une manière ou d'une autre. Bah, je sais pas comment. Je sais pas comment. Alors ce machin. Ce machin. J'ai vu que je pouvais pas faire remonter le laser. Enfin, j'ai pas trouvé comment en tous les cas. Sur le cube et sauter en même temps du coup. Hop, non, ça marche pas. Bon. Toi, tu peux pas monter plus haut que tu... Non. Ah, par là-haut peut-être. Est-ce que je peux grimper là-haut moi? Non, là, je peux tomber de là-haut, c'est tout. Là, non. Sont des murs blancs, ça non. Alors là, je dois dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. I don't know, I don't know. I don't know. Bon, bah écoutez. Je donne ma langue au poulpe. T'es là, le poulpe? J'ai entendu, je donne ma langue au poulpe. Oui, tu as entendu, je donne ma langue au poulpe. Figurez-vous qu'Elarcis est avec moi. Depuis tout à l'heure. J'ai lu au moins que tu t'es bloqué. C'est ça, là je suis dans la salle. La salle du petit cube avec le cœur. Ouais, donc j'ai réussi à monter à l'étage, à récupérer le cube et tout ça. Mais d'accord, je ne sais pas comment monter sur le machin. Donc ton cube il est où actuellement? Avec moi. En haut. En haut. Alors. Tu devrais avoir donc des panneaux blancs en diagonale. Oui. Voilà. Donc en fait, ces panneaux blancs, c'est des sortes de tremplins qui te permettent en fait de monter sur la plateforme où il y a le bouton. Donc c'est super simple. Tu as placé un portail sur le panneau de droite. Ouais. Ça y est. Il y était déjà en fait. Un second donc portail en bas. En bas. Sol, en dessous de toi. Et là, tu prends ton cube et tu sautes dans le portail. Et ce qui fait que ça devrait te mener sur la plateforme. En plus, je me demandais pour sauter, mais je j'avais pas pensé à ça. D'accord, alors attends, faut que je vise. Yahoo! Ouais, trop fort! Merci, Elarcis! Voilà. Ouais! Oh, quelle prune! J'aurais bien aimé trouver toute seule, dis donc. Bon, ben. Bon, écoutez, hein, je me suis pas trop mal sorti. Oui, c'est bon, t'as tenu quand même quelques niveaux sans demander d'aide. C'est, c'est pas ça, mal, hein. C'est ça. Bon, alors par contre, là maintenant, je suis contente de ça. Monter le machin. Alors, est-ce que je peux pas ressauter dans le bidule, mais en changeant ici, en changeant de panneau?
du coup, pour pouvoir sauter là-bas. Ouais, ça doit être ça. Donc toi, tu viens là et toi, tu ressautes là-bas. J'espère que c'est ça. Yahoo! Ah, c'est ça! Et ben voilà, j'ai réussi encore un petit niveau. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. D'accord, je n'emporte rien. J'ai le droit d'emporter mon téléporteur quand même. Je vais pas le laisser là. Je vais mourir ou pas? Bon, bah écoutez, ma foi, c'était sympatoche. Bah écoutez, Larcisse, merci. Merci à toi de m'avoir invité. Hein. C'est un plaisir d'avoir pu aider la prune. Bon, non, c'est plus le prune, c'est le squetch. Non, c'est plus le squetch, c'est quoi donc? Alors, je suis passé du rang de pruneau à quetch, et là, je suis plutôt en prune d'été. Ah, bon, bah ça va. On va passer bientôt à la poire. Donc là, je pense qu'on amorce. On est sur la prune d'été, mais plus la jeune. Tu vois, la vieille prune d'été. Donc je pense que si je petite échelle de classement. C'est ça. Le prochain, je serai une poire. C'est bien une poire aussi parce que c'est un peu ou une banane, au choix. Donc voilà. Donc Elarcis est avec moi depuis 3 épisodes, je crois. Et en fait, c'est la première fois qu'il intervient. Et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà. Tu vois, tu m'aurais appelé plus tôt. Je me serais dit, oh, quand même, elle exagère. Bon ben voilà, bon ben écoutez les petits loups, je vous dis à plus et puis salut Elarcis. Mais salut, à la prochaine. Allez, bye bye.